dira, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ouais, dira, ce n'est pas comme ça. Ça n'a pas été facile de les convaincre. Les petits sont compliqués, maman. Ah. Maman, le petit, je suis dans tous mes états. Vraiment, c'est pas facile pour moi en ce moment. C'est ça, va aller. Ça va aller. Ouais, alors, c'est ma petite soeur. Je l'appelle maman ministre. C'est elle qui gère. Hein? Je vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté de donner. Je sais que ce n'est pas facile. Vous êtes jeune et courageux. J'en suis vraiment fière de vous. Alors, ça se passe comment? Bon, et moi, on peut parler ensemble. Donc, quand on nous a aperçu l'enfant, nous avons fait parler de l'hôpital, de santé de la maman. Oui. Bon, nous avons compris. Parce que normalement, nous avons fait un enfant. Oui, votre maman, oui, comme moi. Votre maman aussi. On a dit qu'on peut dans le besoin, on peut les dire, on hésite. Ça, c'est bien. Bon, on va essayer de venir, mais là, nous allons pas dire le sang pour rien. Et il faut quoi? Non, on va aller donner même des minutes. Même pour faire la proposition, je vous mets 10 ans pour nous demander. Ça coûte cher, c'est non. Dieu nous a besoin. Que vous faites quoi? C'est juste le sang qu'on prend. Hein? Vous prenez juste le sang. C'est Dieu qui vous a donné le sang là. Hein? Vous avez acheté ça. S'il te plaît, grand frère, ne l'écris pas dessus, je t'en prie. Ah, okay. Maman est dans un état critique. Du coup, vous, qu'est-ce que vous en dites? Là, moi, je vais aller là comme dans la 5000. C'est 5000. La boîte de l'air 5000? Non, ne cherche pas. La boîte de l'air 5000, ça. Tu veux frapper ma grande sœur? Ma petite sœur? Tico, s'il te plaît, mon grand frère. Papa! Mon grand frère, s'il te plaît. Non, mais il ne faut pas qu'il vienne expliquer ici. Non, mais ils sont en train de vouloir aider maman. Elle est dans un état critique. Il faut faire comment alors maintenant? Bon, hein? La boîte de l'air, c'est 1500. On vous donne 3000. C'est bon. Regarde, vous allez parler bien. C'est pas bon. Il n'y a pas de souci, je vais gérer. Vous n'avez pas le 5000 là. Mais la boîte de l'air. D'accord, deux boîtes de l'air. Pourquoi d'abord la troisième personne qui devait donner le son? Tu as parlé de trois personnes. Elle a dit trois personnes, ça va suffire. Hein? C'est ce qu'on disait pour le sang de trois personnes. Ça va, non? Ça va comment? Moi, je vois deux personnes là. Non, moi-même, je vais donner le sang. Ah, d'accord. C'est Ndao qui refuse de donner le sang à sa mère. Ndao a refusé. C'est Ndao. Non, mais en fait, moi, je ne vais pas le juger. C'est quoi? Donc, il va nous dire ce qui ne va pas. Voilà. Alors, et pour votre taxi, c'est combien? 3 000. Vraiment, le grand ne peut même pas qu'on pousse. On est posé grave. D'accord. 10 000. Hé! 10 000 francs! Juste pour donner le sang, petit. On ne vous a pas de cachet. On a dansé. Au nom de la mère. Non, mais ne cherchez plus le boulot. Vous avez déjà un boulot. Spécialité d'honneur déjà. 10 000. 10 000. Hé! Qu'est-ce qu'il y a?
même pour donner le sang à ton enfant, tu dis que 10 000 c'est quoi? Ils ne sont pas en train de trop prendre, c'est bon. On bat la vie. Ok, ça va faire 15 000 vous deux. 30 000. Et 15 000 aussi pour toi. Est-ce qu'on va te... Je vais te donner l'argent. Tu vas me payer aussi. Pour la santé de sang. Jamais, mais elle peut me faire du bien, c'est ma petite sœur. Et vous prenez bien du même frère. Normalement, vous devez me donner les enquêtes. C'est quoi? C'est un problème familial. C'est un problème familial. C'est un problème familial. Ok, moi, oui, pas de problème. Je vais aussi te donner 15 000. Voilà. Là, en fait, moi, vraiment les jeunes, je suis très contente de vous. Vous êtes gentils. Alors, je vais vous donner 20 000. Le sang suffit. La mère de qui? Le sang des voix aussi. Et pour être cela, je suis ma mère. Ça ne peut pas se passer comme ça. Pitibos, notre pasteur interdit la transaction de sang. C'est interdit à l'église. Ah, maman est malade. Elle ne prend pas le sang et meurt. Ça fait quoi? Dieu a créé les bois de qui sur cette terre avec son sang. Et chacun doit les servir avec son sang. On ne peut pas faire le sang. Le docteur c'est qui? Le pasteur est fiable. Le pasteur c'est qui? Le pasteur c'est qui? C'est même pour ça que je ne parle pas à l'église. Le sang avec quoi? Arrêtez mon syndrome. Même le sang. Pas sur ma main. Même le simple sang. Pas sur ma main. C'est ta maman, toi seul. C'est ma maman. Le pasteur là c'est qui? C'est lui Dieu? Le docteur dit que pour soigner la belle, il faut le sang. Oui. Il dit que c'est interdit. C'est quelle histoire ça? On va aller donner le sang. Dieu a le sang. Dieu lui a donné le sang, maman. Et elle va rester avec son sang. Tu m'arrêtes ça. Vous voulez mélanger son sang? Tu l'as fait dans cette maison. Vous voulez mélanger. On a sauvé maman. Le sang de maman. Et arrêtez avec votre histoire de dire cela. J'ai confiance à maman. Que tu passes à l'ancien. Elle va vous tirer. Elle ne va rien vous faire. Vous allez. Elle est malade. Ça ne va pas être le sang. Tout ça, c'est quoi? Et je ne t'appelle pas à l'hôpital. Tu as moins confessé, mais bien pour un coup de poing. Tu me fais les choses comme ça. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qui m'aime bon ouais? C'est pour mon cœur. Bonjour maman. Bonjour maman. C'est tout comme ça qu'elle vous fait souvent. Bon. Si on ne remarque pas tes enfants du quartier, si. C'est surtout tes enfants. Et toi, on fait des visites. Elle a toujours son air ironique là. On connaît la mère, Ok. Comment tu te sens? La mère, vous venez comme ça là. J'avais dit qu'il veut manger les nouilles françaises. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, même ici, par mon téléphone, je passe la commande. Comment tu es livré ça? Quel moment? Il ne veut pas. Qui parle comme ça? Quand on met la nourriture, c'est dedans qui va manger ça. Est-ce qu'elle m'a mis écouté? C'est le cas de malade qui a plus faim. Non, il est là, il est là. Je ne sais pas ce que ton frère t'a fait. J'aime le genre que toi-même tu ne fais pas comme tu veux. Maman, tu vas guérir, hein? Tu guéris bientôt. Tu vas. Tu vas te faire ça. Maman chérie, en fait, aussi, les deux enfants qui sont venus pour donner le sang qui va te guérir, tu comprends. Donc, on va retirer le sang sur eux et on va te faire la transfusion sanguine. Comme le docteur a dit, c'est d'abord, maman.
que les deux enfants qui sont venus faire quoi? Calme-toi. Ils ont accepté voilà. Nous aider parce que on a. Critique aussi a vraiment. Voilà. Il s'est beaucoup démerdé à chercher. Ils sont venus te sauver là. Ils sont venus te sauver. En même temps. Bah, Jésus-Christ, bah, les bandits ont sauvé mes vies. Quand ils sont venus me sauver la vie, ils sont Jésus-Christ. Le docteur a dit que tu es faux, ça. Je ne veux pas. Mais quand elle est tort, Mbanakem. Calme-toi. Ouais, ah. Ok, je vais te voir. Le docteur, qui a dit. Mbanakem. Est-ce que les hommes c'est sénat, les hommes c'est 13? C'est l'amour, maman. L'amour, c'est le sang. Et c'est la dauphine qui fait le sang. Eh, leur chou. Baba, mon gars. C'est la maladie, les gars. Ne vous inquiétez pas. C'est pas la maladie, c'est son pasteur qui met les choses comme ça sur sa tête. Je dis que si c'est pour le sang, je dis non. Ne me perdez pas le temps. Mon petit coin que j'ai mangé là, j'ai bu l'autre. Ça me va. Je ne veux pas le sang. Tu te sens pas bien. Et la tête d'abord. On va voir là dans les chiots comme ça, là, vous voulez mettre le sang. Il y a beaucoup de souvenirs que tu m'as arrivé ici. Oh, chut. Bam, bam, tout le monde. Oh, il y a beaucoup. On vous a monté. C'est qui dit ce qui vous monte. Non, non, c'est Kitikos qui vous montre. Même Kitikos va te donner un sang. Moi-même, je te donne ça. Oui, moi, si. Oui, Adome, Vouye Job Balobana, Kitikos. Le sang de quoi? Nounou. Non. Celui-ci qui fume souvent le tas derrière la cuisine. C'est ça, c'est ça. Moi, vagabondage sexuel là, la chère, les choses, mais vous m'aidez le sang. Mais maman ministre, c'est comme ça, non, on vient sans faire comme ça. Non, 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 non. Vous êtes venu faire quoi? Maman, calme-toi. Ouais, nous en avons. J'étais. Pendant deux mois là. Ouais, n'aime pas, si je veux seulement pour ma mort. Je ne veux pas, je vous ai dit que je ne veux pas le sang. Je ne veux pas le sang, je ne veux pas. Maman, je ne veux pas. Oui, attendez, je vais le faire. Oh, aïe, maman, ça va, ça va. Maman, ça va, ils sont partis, ça va. C'est l'italien à moi, là. Maman, c'est l'italien à moi, là. C'est toi qui me fais ça. Je veux juste te dire, maman. Arrêtez. C'est le docteur qui a dit que c'est le sang qui te fait. Non, on veut que tu guérisses. Donc, on ne veut plus vous guérir à l'hôpital sans transfusion, sans grève. Voilà le médicament qui t'a. Je pense à tout, ne me voit pas bien déjà. Ça fait aussi partie de ta guérison. Je dis non, on n'a pas un accueil. Je dis non. Je dis non. Ouais, allô, bada! Allez! Ramène-nous le bada ici, ma coco! Mon Dieu, je viens sous tes pieds! Pardon, sauve-moi! J'ai trop peu d'enfants, j'ai accouché! Viens me tuer! En ce moment, il m'a fait dire que tu m'en pas mes voix! Depuis qu'il a pris sa femme, il n'a pas mes voix! Papa, non, alors c'est quoi, mais? Pitié! 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 Appelle le docteur. Si c'est pour comme je vous accouchais, vous venez me tuer. Quand j'accouchais, je ne mettais pas le sang. On les a chassés, maman. On ne me mettait pas le sang. Pourquoi je vais aller te chercher, maman? Et l'enfant des voisins, qui soutient le téléphone des gens. Le maoua n'a pas bon. N'a pas eu quoi en bas. On doit me mettre le sang. Ma tête là, souvent jonglée, comme ils ont refusé les codes au café. Ça a demandé à l'équipe. Maman, t'allonge-toi, je vais aller te chercher. Partez, je vais faire. Partez!
Je ne veux même plus ton argent. Laisse-moi. Je ne veux pas mourir, mais pasteur. Mon pasteur est là. Tu veux une solution? Je vais prendre le sang. Mais ça, c'est même quoi? Maman commence déjà à me décourager, un grand frère. Je t'assure, je ne peux pas laisser le bureau. Je ne travaille pas, je passe toute la journée à l'hôpital. Et elle refuse qu'on lui fasse une transfusion sanguine. C'est quoi? Et tu dis que tu commences à te décourager? Je me décourage. C'est moi qui dépense. Et elle refuse pourquoi? Et ça ne va pas. Non, tu ne peux pas te décourager. C'est ta mère. Tu vas faire combat. Moi, je sais que c'est toi qui dépasses. Tu penses que moi-même, si c'est moi qui travaille, je pouvais laisser ma mère. Hein? Ou alors tu penses que moi, je suis fier de son comportement. Le docteur dit, tu as besoin de ça. On vient avec des gars pour te donner le sac. Toi, tu refuses de prendre. Le pasteur a dit, le pasteur a dit. Comment le pasteur là, c'est qui? Il ne cherche pas dans notre famille. Lui, si ma mère, il arrive quelque chose à l'oreille. Je vais le tuer. Maintenant, pourtant, je vais le tuer. Parce que tu vois, c'est vrai, elle est malade, mais pense pas au pire. Je commence d'abord que si je le vois, je vais le taper avec mes mains. Voilà, ouais. Je vais t'encourager. Voilà, voilà. Mais n'arrache pas ses dents. Tu lui mets juste les bourses. Parce qu'il est inadmissible qu'ils viennent dans une famille gâter et gâter tout le monde. Voilà, t'as aucune demande. Qui ne respecte plus personne. Pourtant, c'est ma tête ce qui doit goûter. Mais bien, viens, coup de tête. Hein? Fais tout. Ne touche pas Nao. Pourquoi? Non, ne touche pas mon petit frère. C'est pas lui qui encourage maman. Comme ils vont ensemble à l'église, la pourrie église est là. C'est le pasteur qui les encourage. Ils sont là, ils sont bornés. Ils sont à leur merci. Mais on va rencontrer ce pasteur. N'est-ce pas? Il est inadmissible que maman fasse comme un enfant. Mais petite sœur, viens. Moi, je ne comprends pas quelque chose. Depuis quand? Dieu refuse de donner le sang à quelqu'un. Je suis hein? Surtout quand la personne a besoin de ce sang pour sauver sa vie. Dieu peut refuser ça. Hein? On les trompe dans les églises particulières. Ils sont toujours là. Mais maman est entrée dans l'église avec la pied et les mains liées. Elle essaie de nous convaincre. Tu as vu ce que j'ai répondu, non? Hein? Tu as vu? C'est comme ça que papa est parti. Moi je suis chrétien, tu vois. Je prie au Dieu. Je suis pas obligé, voilà, je suis pas obligé d'aller dans l'église. L'église, mais moi, je pense que c'est les actes que tu poses. Hein? C'est les actes. Ah. Même dans ta chambre, tu peux prier et ça arrive. Regarde ce que tu fais là. Tu dépenses tout ton argent, tout ta maman. Même Dieu est là-bas, il sourit. Il sourit. Voilà. Mais maman est en train de me décourager, je te dis vraiment. Le docteur m'a interpellé tout à l'heure. Il me dit, faites tout. Faites tout pour qu'elle accepte. Il t'a encore dit ça? Oui. Ça veut dire que. Je cache le monde. Depuis, je suis forte, je fais tout, mais je suis obligée de te dire. Donc, le docteur t'a encore appelé, il a insisté. Non, il a insisté. Ça veut dire que si maman ne prend pas le chat, elle va nous faire. Ça va. Fais-tu ça. Non, je vais retirer. Je vais retirer. Hey. Solidarité.
tu sais quoi, on part à l'hôpital. C'est notre vie. On va essayer encore de lui parler. Tu comprends? Mais après, on va tout faire pour son église de merde. Ouais. Il a rencontré son acteur. Ou c'est son acteur? Parce que c'est un acteur. C'est un acteur. Oui, ce genre de pasteur, c'est un acteur, son acteur de merde. C'est son acteur qui souligne les vrais pasteurs. Parce que parmi eux, il y a les vrais. Il mais celui-là, c'est le faux. C'est quelle qualité l'acteur de prendre de la part de pour son véhicule? On ne peut pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je souffre là. Je souffre dans ma chair, dans mon corps. C'est donc. J'ai mal, tu peux pas savoir. Allons, allons, maman. On va à l'hôpital. Mais pour là, il faut qu'il goûte ma grosse médecine. Quand on va goûter ça. Ah, allons, ben, ça va. Maman ministre. Tu veux pas que tu blagues. Ma petite chère de quelqu'un, maman ministre. Oh, je suis déboussolée. Déséquilibrée. Ça va, ça va. Maman va guérir. Elle m'a fait. Alors, allez. Il faut qu'elle guérisse. Ferme la porte, allez, elle est pas de clé.